Go faster! Daddy est en train de lire un livre sur la vie sauvage. Il y a tant d'animaux étonnants à regarder. Buster a vraiment hâte de prendre des photos. Regardez, en voilà une. Attendez, Daddy a une idée amusante pour que Buster teste son nouvel appareil photo. Daddy et Buster sont à la recherche de ce papillon rare pour le prendre en photo. Les ailes du papillon sont bleues et rouges. Buster doit essayer de trouver ses couleurs. Regarde derrière toi, Buster! Oh là là, il l'a raté! Daddy suggère qu'il cherche dans les hautes herbes. Les papillons aiment les hautes herbes. Le papillon est peut-être là-bas. Buster a vu quelque chose de rouge. Par ici! Oh non! Le rouge que Buster a vu n'était pas un papillon. C'était Ash, le camion de pompiers qui se promenait avec sa maman. Buster décide de les prendre en photo. Dites cheese! Buster, derrière toi! Ah oui, bien sûr! Les papillons aiment les fleurs! Bien vu, Buster! Au parc! Le parc a beaucoup de fleurs pour attirer le papillon. Buster est certain de le trouver ici. Oh! Oh! Buster pensait que le nœud papillon du professeur était le papillon. Buster essaie, mais il ne semble pas pouvoir trouver le papillon. Mais Buster se rappelle qu'il doit être patient. Regardez, c'est le papillon. Mais Buster peut-il le prendre en photo? Tu as réussi! Bon travail, Buster! Regarde, Buster et Cozy Coop vont visiter la ferme. Voilà Terry Tractor en train de déplacer des bottes de foin. Buster présente son nouvel ami Cozy à Terry. Buster se demande alors s'il peut faire quelque chose pour aider au travail de la ferme. Terry a une idée. Ils peuvent surveiller tous les moutons. Ces moutons sont malicieux et adorent essayer de s'échapper de la ferme. Buster et Cozy rassemblent tous les moutons dans le champ. Ce n'était pas si difficile. Mais oh oh, l'étil agneau a vu quelque chose. Un trou sous la clôture. Letty incite les autres moutons à s'échapper. Buster et Cozy l'ont remarqué. Ils doivent empêcher tous les moutons de s'échapper. Letty s'en va. Cozy la poursuit. Buster bloque le trou pour que plus aucun mouton ne puisse s'échapper. Mais où est partie Letty? Oh non, elle se cache dans tous ces tunnels. Et Cozy la poursuit. Comment vont-ils l'attraper? Buster a un plan. Il a un filet. Ensemble, ils peuvent attraper Letty en un rien de temps. La voilà. Oups! Buster a raté son coup. Maintenant, elle est derrière Buster. Et elle lui saute dessus. Et oups! Oh, Buster a attrapé Cozy à la place. Letty court toujours. Oups! Buster a encore attrapé Cozy. Ça ne marche pas, ils n'attraperont jamais Letty comme ça. Mais qu'est-ce que Cozy a vu? Des bottes de foin? Je pense qu'ils ont un plan. Ils vont bloquer tous les trous avec des bottes de foin, donc il n'y a qu'un seul endroit où Letty peut aller. Là-bas! Ils ont attrapé cette chèvre effrontée. Bravo, Buster et Cozy.
Terry est très impressionné. Mais qu'est-ce que c'est? Letty a repris ses vieux tours et elle a creusé un autre tunnel. Mais cette fois, Buster et Cozy savent ce qu'elle prépare. C'est une journée ensoleillée et Buster veut aller jouer dehors. Mais qu'est-ce que c'est? Il a laissé ses jouets partout par terre. Buster sait qu'il devrait les ranger, mais il veut vraiment aller jouer. Wow, Buster range tous les jouets super vite. Mais pas très bien. Oh non, il a renversé ce verre. Et maintenant, il a mis de l'eau partout en passant la serpillière. Maintenant, Buster est dehors en train de jouer. C'était quoi ça? Maman a glissé sur l'eau. Oh non, la pièce est encore en désordre. Buster se sent vraiment mal de ne pas avoir bien nettoyé. Mais il peut arranger les choses. Il doit juste nettoyer correctement et prendre son temps pour le faire. Maman et Buster peuvent le faire ensemble, comme si c'était un jeu. Les tâches ménagères sont tellement plus faciles quand on y trouve du plaisir. Et elles sont beaucoup plus rapides si vous travaillez ensemble. Voilà, Buster est même en train de nettoyer la boisson qu'il a renversée. Parfait! La pièce est enfin rangée. Maintenant, Buster et maman peuvent aller jouer au ballon ensemble. Hourra! Buster, Scout, Bandy et Ash font la course. Buster et Bandy sont au coude à coude, mais Scout est en tête. Ouh! Scout a gagné! Beau travail, Scout! Elle est vraiment super rapide. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Le tonnerre? Il y a un orage qui arrive. Ils devraient se mettre à l'abri ou ils vont être tout mouillés. Wow, Ash est devenu tout boueux en glissant dans cette flaque. Attends une minute, ça donne une idée à Buster. Ouh! Glisser dans ces flaques boueuses est très amusant. Il pourrait jouer à un jeu, voir qui peut glisser le plus loin. Quelle bonne idée! Bandy passe en premier. Swish! Il a dérapé jusqu'ici. Mais Scout pense qu'elle veut mieux faire. Boum! Waouh! Scout est allé encore plus loin que Bandy. Maintenant, c'est au tour de Ash. Il est si petit qu'il tourne en rond. Il est tout étourdi, mais il est allé encore plus loin. En dernier, c'est Buster. Oh oh! Il dérape hors de contrôle. Wow! Oups! Buster a éclaboussé Mommy. On dirait qu'il est temps pour les petits véhicules de rentrer chez eux. Ils sont tous de retour chez Buster en un rien de temps. Mais attendez, ils ne peuvent pas rentrer tant qu'ils ne sont pas tous nettoyés. Mommy va utiliser le tuyau pour enlever toute la boue. Splish, splash! Là, maintenant, les quatre amis sont à nouveau propres. Mais quand même, cette course de dérapage était tellement amusante. C'est un autre jour passionnant à l'école pour Buster et ses amis. Aujourd'hui, ils font des cartes pour la fête des mères. Regardez, l'enseignant leur montre comment faire. Il faut la plier en deux et faire un pli. Bien joué, Buster. Mais qu'est-ce que Bandy est en train de faire? Oh, waouh! Regarde toutes ces décorations. Faisons des activités manuelles. Oh, Bandy! Il a transformé sa carte en un avion en papier et l'avion s'est envolé. Buster commence avec la colle. Oh! Oups, la colle est collée à sa roue. Et maintenant, il y a des paillettes partout. Pauvre Buster, la colle ne veut pas bouger.
Qu'est-ce que Buster peut utiliser pour enlever la colle? Ah, une cuillère. Non, ça n'a pas marché. Oh oh, et maintenant la cuillère est collée à son autre roue. Buster demande de l'aide à Scout. Scout essaie d'enlever la bouteille de colle. Oh non, ça n'a pas marché non plus. Oh non, maintenant Scout est coincé aussi. Attention Scout! Oh là là, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Bandit trouve tout cela très drôle. Et le pauvre professeur est trop distrait par l'avion de Bandit pour voir ce qui se passe. Oups! Ils ont renversé l'eau de hache. Mais attendez, l'eau a détaché la cuillère. Buster a une idée. Hache utilise son tuyau pour décoller la colle. Hourra! Ça a marché! Oh là là, quel désordre! Mummybus est là pour ramener Buster à la maison. Et regardez, Buster lui donne la carte spéciale fête des mères. Elle l'adore! Bonne fête des mères, Mummybus! Oh non, pas encore! C'est Buster et Robin! Buster a l'air de beaucoup apprécier son chewing-gum. Oh, qu'est-ce que c'est? Un message dans une bouteille. Je me demande ce qu'il y a dedans. Waouh, c'est une carte au trésor. X indique l'endroit où il se trouve. Buster et Robin vont trouver un trésor caché. Maintenant, par où aller? Voilà la jetée. Et regarde, voilà l'île déserte. Ils l'ont trouvée. Oh oh, l'eau est pleine de requins. Ils vont devoir trouver un moyen de traverser en sécurité. Regarde, c'est Katrina, le bateau à vapeur. Elle est coincée sur la plage. Elle aurait besoin qu'on la pousse dans l'eau. C'est ça, Buster! Bien joué! Super! Katrina est de retour sur l'eau. Mais oh mince, il y a un trou! Katrina pourrait couler si personne ne répare ça. Je crois que Buster a un plan. Je me demande ce qu'il va faire avec le chewing-gum. Oh, il utilise le chewing-gum pour bloquer le trou. Très intelligent, Buster. Les requins ne vont pas l'attraper désormais. Prochain arrêt, l'île déserte. Super, Buster est arrivé sur l'île. Maintenant, il doit juste trouver le trésor. Il est quelque part par ici. Ici! X indique l'emplacement. Buster creuse. Waouh, un coffre! Regarde, une pièce en or. Je me demande ce que Buster va en faire. Regarde, Diggly travaille sur Katrina. Il répare le trou. Oh, Buster utilise la pièce pour payer Diggly. Il aide Katrina à se réparer pour dire merci à sa nouvelle amie. Quelle merveilleuse aventure! Buster, Mummybus et Ash sont au centre de loisirs. Comme c'est excitant! On dirait que Buster veut jouer dans la section des grands enfants. Mais il n'est pas encore assez grand. Waouh! C'est incroyable! Ash est très excité. Mais Buster pense qu'il est trop grand pour le centre de jeu. Il s'amuse tellement! Mais Buster ne veut pas se joindre à eux. Maintenant, ils rebondissent sur la trampoline. Wouh! Cela a l'air très amusant, Buster. Mais non, il ne veut toujours pas jouer. Oh! Qu'est-ce que Ash fuit? Oh, regardez! C'est Captain Mummy! Ah! Vite, Ash! Fuis! Il s'est échappé vers le terrain de jeu. Ça a l'air tellement amusant. Maintenant, Buster veut se joindre à eux. Vite! Le capitaine va t'attraper! Vas-y, Buster! Buster est vraiment dans le coup maintenant. Ahoy! Oh, c'était quoi ça?
Ah ah, je t'ai eu. C'est Buster le pirate et Ash le pirate à la rescousse. Fuyez. Regardez-les partir. Attention, Capitaine Mommy. Pirate Buster et Pirate Ash ont sauvé la journée. Tu vois, Buster, le centre de jeu était très amusant après tout. Hey, salut Buster. Qu'est-ce que c'est? Un ballon de foot? Oh, regarde Buster. Tous tes amis sont alignés pour faire une partie de football. Et ils ont besoin d'un autre joueur. Vas-y Buster, ça va être très amusant. C'est parti. Ah, trop lent Buster. CJ, le mixeur de ciment, va essayer de marquer. Est-ce que Jesse Jeep peut le stopper? Allez Jesse, tu peux le faire. Oh, presque, mais but. Beau shoot, CJ. Belle tête, Buster. Quel tir, Scout. Belle parade, Digger. Scout a joué la balle de Digger. Scout se précipite vers le but. Allez, Scout, tu peux le faire. Personne ne peut la contrer. But. C'est ça, Scout, bravo. Jesse à Scout. Scout lance d'un coup de pied. Super tir, Digger. Passe à Bandy. Oh, c'était un peu trop fort, Bandy. Bandy va-t-il marquer? Jesse peut-elle le contrer cette fois-ci? Oh non, Jesse a crevé le ballon. Est-ce la fin de la partie? Oh mais non! Regardez! Otis a un autre ballon. La partie reprend. Tout semble s'accélérer désormais. Buster se dirige à toute allure vers le but. Oh non, Bandy, le bus a bousculé Buster. C'est une faute! Bon arbitrage, Robin. Bandy a pris un carton rouge et Robin l'envoie hors du terrain. Voilà ce qui se passe quand on joue trop brutalement. Hein? Maintenant, Buster a le droit de tirer un pénalty. Allez, Buster! But! Tu l'as fait, Buster! Tu as remporté le match et tu as gagné un beau trophée. C'était si amusant. C'est une belle journée ensoleillée. Buster et Cozy Coop sont en visite à la plage. Ils jouent au volley-ball. Et regarde, Cham le requin veut jouer aussi. Cozy lance le ballon à Cham. Oh non! Le ballon a éclaté sous les dents de Cham. Oups! Mais qu'est-ce que c'est? C'est une carte au trésor. Waouh! Il y a un trésor enterré et il est enterré sur cette île déserte. Mais comment vont-ils traverser l'eau? Je pense que Buster a une idée. Waouh! Buster a construit une rampe avec du sable. Wouh! Buster s'envole. Oh non! Splash! Buster ne pouvait pas sauter assez loin. Je suppose qu'ils vont devoir essayer autre chose. Qu'est-ce que Cozy a vu? Un nénuphar géant. Peut-être qu'ils peuvent dériver sur l'eau? Cozy s'en va. Oh oh! Cozy s'est arrêté. Il n'avait pas assez d'élan. Cozy essaie de pagayer, mais il tourne en rond. Heureusement que Cham peut le repousser jusqu'à la rive. Merci, Cham. Mais ils ne sont toujours pas plus près de l'île. Mais qu'est-ce que c'est? Cham a un radeau. Maintenant, ils peuvent traverser l'eau en un rien de temps. Ils ont atteint l'île. Il est temps de trouver ce trésor. Une croix marque l'endroit. Est-ce que c'est cette croix, le trésor enterré? Non, ce sont juste des brindilles. Et celle-ci? Non, ce sont juste des algues. Celle-là? Hurrah! Voilà le coffre au trésor. Bien joué, Cozy. Regarde tout ce trésor brillant et regarde une balle en or. Maintenant, ils peuvent jouer à nouveau à la balle et cette fois, elle n'éclatera pas. Bravo tout le monde! Quelle journée ensoleillée! Oh, regardez, c'est Diglé et CJ. Ils remplissent d'eau le mixeur de CJ. Que font-ils tous les deux? Regardez, c'est Buster et Scout. Oh, qu'il fait chaud! Que peuvent-ils faire pour se rafraîchir? Waouh! Diglé et CJ fabriquent des ballons d'eau colorés. Je pense que Buster et Scout ont une idée. Bataille de ballons d'eau! À vos marques, prêts, partez!
Que font Buster et Scout? Oh, regardez ça! Diglé et CJ se sont faufilés à l'arrière. Et... oh! Aïe! Tous sur Scout! Hé! Hey, en plein dans le mille! Cela devient de plus en plus intéressant. Qui se cache dans les buissons? C'est Scout! Elle a réussi à se cacher à temps. Deuxième essai. Mais regardez, Buster est arrivé. Il a aspergé ses jidos. Dépêche-toi, Buster! Oh non! CJ et Diglé ont coincé Buster et Scout. Que vont-ils faire? Ouais! Le parapluie! Je pense que Buster a un plan. CJ et Diglé visent, mais Buster est couvert d'un parapluie. C'est une excellente idée, Buster. Oh non! Diglé et CJ sont en train de réapprovisionner. Waouh! Regardez la taille de cette balle! On dirait que Buster est dans un sale état. Waouh! Bien joué, Buster! C'était très amusant! Buster et Ash sont en vacances à la plage. Mamibus et Mamie Firetruck préparent un barbecue. Et Buster et Ash construisent un incroyable château de sable. Oh, ces vagues arrivent vraiment vite. Le château de sable pourrait être détruit. Ash à la rescousse. Il protège le château avec un mur de sable. Bonne idée, Ash. Oh, regarde, c'est Iggy, le camion de glace. Hourra! Oh non! Le mur de Ash n'a pas pu arrêter les vagues. Elles ont détruit leur château de sable. Buster est très triste. Mais Ash a un plan pour le sauver. Buster est trop bouleversé pour aider. Peut-être qu'une glace lui remontera le moral. Je me demande quel parfum il va choisir. Waouh! C'est une énorme glace. Ouh, attention, Buster! Ash est toujours en train de réparer le château de sable. Buster pourrait aussi offrir une glace à Ash. Mais il est en colère contre lui parce que son mur n'a pas protégé le château de sable. Buster ne prend que de la glace pour lui. Waouh! Ash a reconstruit le château de sable, comme neuf! Buster se sent maintenant mal de ne pas avoir offert de glace à Ash, alors il lui donne la sienne. Fais attention, ne la fais pas tomber! Iggy leur donne un autre cône. Maintenant, ils peuvent partager la glace. Miam miam! Délicieux! Salut Buster! Qu'est-ce que tu as là? Une glace? Elle a l'air délicieuse! Oh non! Qu'est-ce qui se passe, Buster? Tu as une dent qui bouge! C'est inquiétant. Peut-être que tu ne devrais pas manger toutes ces sucreries, Buster. Hein? Oh mince, ça a l'air douloureux. Pauvre Buster. Bonne idée, Robin. Buster devrait aller chez le dentiste pour avoir un avis sur cette dent. On dirait qu'il a peur. Oh, cette sucette a l'air délicieuse. Mais tu crois que c'est bien raisonnable, Buster? Aïe! On dirait que ça fait vraiment mal. Pourquoi ne pas manger une pomme, Buster? Quelque chose avec un peu moins de sucre? Je crois que Buster a trop peur de manger quoi que ce soit maintenant. Oh mince, cette dent lui fait encore mal. Pauvre Buster, il ne peut pas rester comme ça. C'est bien, Robin, va chercher de l'aide. Regarde qui c'est! C'est Amber l'ambulance, elle saura quoi faire. Oh, n'aie pas peur, Buster, Amber est là pour t'aider. Tu dois juste être courageux. Ouvre la bouche. Allez, Buster, ouvre bien grand pour qu'Amber puisse voir ta dent. Regardons ça. Ah.
Oh oui, ça a l'air très douloureux, Buster. On dirait que tu vas perdre ta première dent de lait. Mais ne t'inquiète pas, Buster, on perd tous nos dents de lait en grandissant. Et ensuite, tu auras des dents définitives. Amber sait comment t'aider. Une brosse à dents, mets du dentifrice dessus et brosse bien partout. C'est ça, Buster, tes dents sont belles et propres. C'est important de prendre soin de tes dents. Et hop, on rince. Bien joué, Buster. De la glace va soulager la douleur. C'est bien mieux. Tu vois ? Merci, Amber. La dent de Buster ira mieux demain matin. Oh, waouh ! Regarde, Buster ! Ta dent de lait est tombée ! C'est bien mieux comme ça, pas vrai ? Et une nouvelle dent va bientôt pousser à sa place. Bravo, Buster, tu as été très courageux. Waouh, Buster ! Regarde ce ballon rouge ! Pourquoi n'essaies-tu pas de l'attraper ? Bel essai, Buster ! Mais il s'envole au loin. Oh, Buster a l'air triste. Oh, hey, petit Robin ! Peut-être que toi, tu pourrais attraper le ballon rouge qui s'éloigne. Et voilà ! Merci, Robin ! C'est un très beau ballon, Buster ! Oh, waouh ! Il y a un autre ballon ! Celui-ci est vert ! Vite, Robin, attrape-le ! Et voilà ! Maintenant, tu as deux ballons, Buster ! Waouh ! Regarde tous ces ballons colorés ! Robin, tu sais quoi faire ! Buster, les ballons te font décoller du sol. Robin a perdu Buster. Il est là, Robin. Buster, vole. Tout va bien, Buster, n'aie pas peur. Regarde la belle vue que tu as. Terry ne sait pas d'où vient ce coup de klaxon. Regarde en l'air, Terry. Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c'est Buster le bus. Voilà quelque chose que tu ne vois pas tous les jours. Oh Buster, tu t'envoles très haut désormais. Terry a l'air tout petit lui d'ici. Je crois que Buster commence à avoir peur. Tu ne veux pas finir dans l'espace, Buster. Robin, il a besoin de ton aide. Super idée, si tu éclates les ballons, Buster va redescendre. Oh non, Buster tombe très vite. Tout va bien, Buster, tu es presque au sol. Encore quelques ballons feront l'affaire, Robin. Et... à terre! Buster est ravi d'être de retour sur la terre ferme. Je crois que nous devrions laisser Robin voler, Buster. Oh ! Mais où va Robin ? Un autre ballon ? Je crois que Buster a eu assez de ballons pour aujourd'hui. Au revoir, Robin ! Au revoir, Buster ! On dirait que tu es complètement couvert de boue. Tu t'es bien amusé à sauter dans ces flaques de gadou. On dirait que Buster a besoin d'un lavage. J'ignore s'il le sait. Voici le bus de la ville. Oh mince, il n'a pas l'air très impressionné par l'apparence de Buster. On dirait que Buster vient de réaliser à quel point il est sale. En effet, Buster, tu es couvert de boue. Est-ce le signe qu'il faut se laver? Bonne idée, Buster. Le voilà en route pour le lavage auto afin de se nettoyer. Oh, pauvre Buster! Il a trop peur d'y entrer. Ça a l'air très effrayant, n'est-ce pas? Courage, Buster, tu peux le faire. Il faut te laver, tu es si sale. Il entre. Buster est très courageux, en effet. 1, 2, 3... Oh non! Tu y étais presque, Buster! Revoilà le bus de la ville. Oh, il a l'air très impatient. Buster respire profondément. Tu peux le faire. Mais les bruits font si peur. Allez, Buster, tu peux y arriver, tu y es presque. À vos marques. Go! Tu y arrives, Buster! Ça chatouille, ce n'est pas si mal finalement. Et il ressort. Allons, ça n'était pas si terrible, n'est-ce pas, Buster? Tout brillant et tout propre, tu es magnifique. Waouh, bravo, Buster. Ce lavage auto n'était pas si terrifiant après tout. Au revoir, Buster. C'est le soir et le cousin de Buster, Bandy, vient passer la nuit chez lui. Ça va être tellement amusant. D'abord, prenons un goûter. Ha ha ha!
Maman sort les biscuits du placard. Buster et Bandit adorent les biscuits. Il y en a un chacun. C'est délicieux. Maintenant, maman les range. Mais Bandit sait où ils sont. Bandit et Buster passent une soirée très amusante à jouer ensemble. Mais ensuite, il est l'heure d'aller se coucher. Ils veulent rester debout plus longtemps, mais maman dit non. Je pense que Bandit a une idée. Maintenant, tout le monde s'est endormi. Mais qu'est-ce que c'est ? Bandit se réveille, Buster aussi. Il se faufile à nouveau en bas. Oh, Bandit va voler d'autres biscuits. C'est très vilain. Oups ! Maman a entendu ça. Elle les a attrapés. Et elle est très déçue. Il ne devrait pas voler de biscuits. Mais les deux petits bus sont vraiment désolés. Ils vont retourner au lit maintenant, comme on leur a dit. Le lendemain matin, maman a préparé un bon petit déjeuner et bon pour la santé. Buster et Bandit ont eu assez de biscuits. Ça a l'air délicieux. C'est l'automne et Buster le bus et ses amis jouent dehors. Regarde toutes les feuilles qui tombent des arbres. Qu'est-ce que c'est? Je crois que Scout a une idée pour un jeu. Oh, Scout veut jouer à cache-cache. Quelle bonne idée! Buster, compte pendant que les autres vont se cacher. Tony Camion se cache dans la grange. Jessie la Jeep se cache sous cette boîte. Digly la pelleteuse va creuser un trou derrière ces buissons. Vite, Scout! Il faut que tu trouves un endroit avant que Buster ait fini de compter. Mais où? Trois, deux, un, j'arrive! Que vous soyez prêts ou non! Où sont-ils tous? Buster va chercher. Quelqu'un se cache-t-il dans la grange? Oui, tu as trouvé Tony Camion, Buster! Qu'en est-il de ces boîtes? Quelqu'un se cache-t-il par ici? Je crois que non. Attends une minute. Est-ce que cette boîte te suit, Buster? Ça veut dire que... Oui, tu as trouvé Jessie la Jeep. Bon travail! Et ces buissons, alors? Quelqu'un est-il ici? Regarde, il y a Robin! As-tu vu ça? Je me demande si... En effet, tu as trouvé Digly la pelleteuse, Buster! Hourra! Il ne reste plus que Scout. Je me demande où elle peut bien se cacher. Attends, as-tu remarqué quelque chose de bizarre avec ses feuilles? Voilà, Scout! Bien joué, Buster! Tu as trouvé toutes les cachettes de tes amis. N'était-ce pas amusant? C'est une journée ensoleillée chez Buster. Et Buster et Grandpa s'amusent beaucoup ensemble. Mamie Bus s'en va au travail. Buster et Grandpa pourront-ils préparer le dîner ensemble? Oh, waouh! De la vraie cuisine! Buster est très excité. C'est parti pour la cuisine. Grandpa installe la cuisinière. Mais qu'est-ce qui vient ensuite? Buster a une idée. C'est de la sauce au chocolat. Grandpa ne pense pas que ce soit tout à fait approprié pour le dîner. Jetons un coup d'œil à la recette. Ils ont rassemblé tous les ingrédients. Buster commence par ajouter un peu de farine dans le bol. Oh, doucement, Buster. Oups! La farine s'est répandue partout. Grandpa et Buster sont maintenant couverts de farine. Buster apporte la touche finale au mélange. Attention que le mélange ne se répande pas partout. Bon travail, Buster. Oups! La sauce tomate de Grandpa a éclaboussé le sol. Et que se passe-t-il sur la cuisinière?
La casserole déborde et fait des bulles. Oh, regarde, les lunettes de Grandpa sont couvertes de buée et maintenant il ne peut plus voir où il va. Attention, Grandpa! Oh là là, ça ne se passe pas très bien. Grandpa et Buster nettoient le désordre. Mais Mummy Bus rentre du travail. Oh oh, ils n'ont toujours pas préparé le dîner, que vont-ils faire? Grandpa sort quelques poissons du congélateur. Ah ah, cela a donné une idée à Buster. C'est l'heure de la sauce au chocolat. Mummy Bus se demande ce que Buster et Grandpa ont fait pour le dîner. Juste au moment où ils terminent. Je me demande ce qu'ils ont cuisiné. Oh, c'est du poisson pané et des haricots verts. Et de la sauce au chocolat? Tu es sûr, Buster? Il goûte. C'est délicieux. Mummy y goûte aussi. Et c'est étonnamment savoureux. Bien joué, Buster. Ah, quelle belle journée. Je crois que Buster a un peu chaud. Hey, regarde, Scout a une super idée. Une glace va te rafraîchir, Buster. Et elle a l'air délicieuse. Une bonne glace. Tu entends, Buster? C'est le bruit de... Iggy, le camion glace. Hey, salut Iggy. Buster veut une glace. Eh bien, tu es au bon endroit, Buster. Regarde tous ces parfums. Pépites de chocolat, confettis de vanille, triple boule de glace, tourbillon de framboise, fraise vanille avec sauce chocolat. On dirait que Buster a fait son choix. Waouh, merci Iggy. Oups, c'était rapide ça, Buster. Tu as adoré, on dirait. Une autre déjà? Oh, salut Digger. Il a rejoint la ville pour prendre une glace aussi. Une autre glace arrive tout de suite. Buster adore la glace. Buster, tu veux vraiment une troisième glace? On dirait que Digger s'impatiente. Tu n'es pas le seul à vouloir une glace, Buster. Délicieux. Une glace vanille avec un flocon de chocolat. La queue s'agrandit. Tout le monde veut une glace de chez Iggy. Et Buster en veut une quatrième. Délicieuse. Celle-ci a une cerise dessus. Ok, Buster, maintenant c'est assez. Digger et Billy ont sagement patienté pour avoir leur glace et tu deviens trop gourmand. On dirait qu'Iggy en a assez de l'attitude de Buster. Haha, tu veux encore une glace, Buster? Pas de problème. Regardez. C'est Buster la glace. Il lui manque des décorations. Ah, un délicieux flocon de chocolat et une cerise. Yam. Cela a complètement rafraîchi Buster. Billy se régale avec la cerise et Digger mange le haut de la glace. Cette Buster glace est vraiment délicieuse. Je suis sûre que Buster sera moins gourmand à l'avenir. Merci Iggy pour toute cette délicieuse glace. Miam, miam, miam. La glace, c'est vraiment aussi bon que joli. Daddy Bus emmène Buster, Bandy et Scout faire du camping dans les bois. Il est temps d'installer le campement. D'abord, ils doivent monter leur tente. Daddy leur montre comment faire. Il enfonce les piquets pour empêcher la tente de s'envoler. Regardez, ils maintiennent la tente en place. Ah, c'est fait! Pendant que Daddy Bus ramasse du bois pour le feu, Buster et ses amis terminent leur tente. Qu'est-ce que c'est? Bandy a des chamallows. Miam. Oh non, Buster n'a pas enfoncé les piquets correctement. La tente s'est détachée. Il ne peut plus rien voir. Attention, Scout. Oh oh, elle est en train de s'envoler. Buster pourra-t-il l'attraper? Scout et Bandy se joignent à lui pour l'aider. Vas-y, Buster, tu peux le faire! Ah, elle est finalement tombée au sol. Oh non, pas encore une fois! Daddy Bus, attention! Oups, le bois de chauffage s'est envolé. Ouf, il va bien. Il est temps de monter la tente. Assurons-nous que tous les piquets sont bien en place cette fois-ci, Buster. Bon travail. Je me demande ce que Daddy Bus a prévu pour la suite. Waouh, ils font rôtir des chamallows. Délicieux. Quelle bonne journée.
Oh waouh! Buster devient une fusée et va dans l'espace. 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Regarde Buster qui file! Très bien, tu l'as fait, Buster! Tu es dans l'espace! Oh, quel super endroit! Je crois que Buster veut explorer l'espace. Regarde ça, c'est une planète rouge. Approchons-nous pour mieux la voir. Hey, salut l'ami de l'espace. Je parie que cet alien n'a jamais vu un bus auparavant. Où vas-tu, Buster? Oh, une planète jaune. C'est magnifique avec ce grand anneau autour. Oh, regarde ça. Buster conduit sur l'anneau. Voyons voir comme tu peux aller vite. Waouh, c'était fun. Qu'est-ce que Buster a vu maintenant? Une planète violette. N'est-elle pas énorme? Waouh, Buster file tout autour des planètes. Autour de la planète violette, la planète jaune et la planète rouge. Mais, attends. Oh non, une planète bleue. Buster va trop vite. Je crois qu'il va la percuter. Oh, ouf alors. C'était seulement un rêve. Tout va bien, Buster. Regarde, Scout utilise son télescope pour regarder le ciel de nuit. Jette un œil, Buster. Voilà la planète violette, la planète jaune et la planète rouge. Bonjour, petit ami de l'espace. Buster et Daddy Bus passent une journée au parc. Oh oh, attention papa. Ils vont jouer au football ensemble. C'est l'heure du coup d'envoi. Buster passe le ballon et... Oh oh, on dirait que Daddy Bus n'a pas tout à fait compris le principe. Mais Buster lui montre comment faire. C'est l'heure de la séance de tir au but. Buster tire et... Il marque. Oh non. Daddy Bus, tu vas bien? Ouf, il va bien. C'est maintenant au tour de Buster d'être dans les buts. Daddy Bus a l'air déterminé. Oups, le ballon s'est envolé en l'air. Oh, regardez, c'est Ash et Mummy Fire Truck. Buster les invite à rejoindre le jeu. Bonne idée, Buster. Ce sont les bus contre les camions de pompiers. C'est parti. Buster prend le ballon. Ash plonge devant. Mamie tire au but et... Elle rate. Oups. Je pense que Buster a une autre idée. Je me demande ce que c'est. Ash et Buster font équipe. C'est maintenant les enfants contre les parents. Qui va gagner? Ash commence. Daddy prend le ballon, mais Ash le tacle. Il passe à Buster. Et Buster marque. Bravo Buster. Quel beau travail d'équipe tout le monde. Ils sont tous les deux très fatigués quand Daddy ramène Buster à la maison après une excellente journée à l'extérieur. Oh regarde, c'est Mummy Bus. Buster dit au revoir à Daddy Bus. Mais attendez, Buster donne le ballon de foot à Daddy Bus. Il a vraiment besoin de s'entraîner. Salut Buster. On dirait qu'il fait bien chaud aujourd'hui dans le désert. Oh, regarde devant toi, une grosse montagne avec de la fumée qui sort en haut. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est Rita, la voiture de sport. Elle file à toute vitesse vers la montagne enfumée. Je crois qu'elle veut faire la course. Buster et Rita filent à travers le désert. Rita va plus vite. Allez Buster, tu peux le faire. Regarde, Buster utilise cette rampe pour sauter et rattraper Rita. Ouf, c'était sympa cette course jusqu'au sommet. Mais regarde, qu'est-ce que c'est? De la lave chaude en fusion? Je crois que c'est un volcan. Il pourrait entrer en éruption à tout moment. Oh oh, Buster, attention à ce rocher! Oh non, il est tombé dans la lave! Ouf, tout va bien.
Oh non, je crois que le volcan est en éruption. Vite, partez de là! Oh non, il y a des boules de feu qui s'échappent du volcan. Attention, c'est brûlant! Oh non, Rita est coincée dans le sable. Buster est courageux et va aider sa nouvelle amie. Bon travail, Buster. Maintenant, vite, roulez! Plus vite, plus vite! Ouf, c'était moins une. Voilà Ashley, le camion de pompiers. Elle n'a pas l'air ravie. Elle va devoir éteindre tout ce feu. Buster et Rita restent silencieux. Ils ne comptaient pas déclencher l'éruption du volcan. C'était tendu, mais Buster s'est fait une nouvelle amie pendant cette aventure. Salut Buster! Salut Rita! C'est la journée sportive à l'école de Buster. Comme c'est excitant! Tout d'abord, le sprint de 200 mètres. À vos marques, prêts? Partez! Allez Buster! Il a gagné! Hourra! C'était facile! Buster est le plus rapide de l'école. Ensuite, c'est le saut en hauteur. Scout est la première. Elle file! Waouh! C'était extraordinaire! Buster pense qu'il peut battre ce saut. Il s'élance. Oups! Oh, ne t'inquiète pas, Buster. Il n'a pas l'air très content. C'est maintenant la course aux œufs et aux cuillères. Prêt, feu, partez! Buster veut vraiment gagner. Oups! Buster allait trop vite et a cassé l'œuf. Oh là là! Et Ash est le gagnant. Bien joué, Ash! Buster est agacé d'avoir perdu. Il voulait vraiment gagner. Il est tellement contrarié qu'il ne joue pas à la balle avec les autres. Ça a l'air amusant, Buster. Il ne s'agit pas seulement de gagner, Buster. Il s'agit de s'amuser. Hourra! Maintenant, ils s'amusent tous ensemble. Il est temps de présenter les médailles. Buster est en troisième, Ash est deuxième et Scout est première. Bravo à tous! Quelle super journée! Voilà Buster le bus. Je me demande ce qu'il va faire aujourd'hui. Qu'est-ce que ceci? Regarde ce panneau de publicité, Buster. Ses pneus sont brillants et neufs. Peut-être est-il temps de changer tes pneus, Buster. En route. Oh, regarde, c'est Jessie la Jeep. Elle a l'air d'avoir du mal à monter la colline. Voilà Buster. Pauvre Jessie, je crois qu'elle a besoin de l'aide de Buster. Ses pneus n'ont pas l'air de bien accrocher la route. Tu y es presque, Jessie. Continue d'essayer. Oh, Buster, je sais que tu veux aller chercher tes nouveaux pneus, mais ton amie Jessie a besoin d'aide. Oh non! Jessie glisse en arrière! Ah! Bravo, Buster, tu es revenu pour aider Jessie. C'est si gentil de ta part. Oh non! On dirait que quelque chose ne va pas avec la remorque de Jessie. On dirait que le poids de la remorque la pousse trop vite vers le bas de la colline. Elle a perdu le contrôle, Buster! Vite, Buster, tu dois l'aider! Ça va aller, Jessie. Buster n'est pas loin derrière. Bon travail, Buster. Garde le contrôle de la remorque pour qu'elle ne se retourne pas. Oh non, le garage est droit devant. Elle ne va pas avoir le temps de freiner. Très bonne idée, Buster. Utilise tes freins pour ralentir Jessie. C'était moins une. Bien joué, Buster. Et regarde, ce sont les magnifiques pneus que tu voulais venir chercher. Oh, pauvre Jessie, ses pneus sont tout abîmés. Buster, je crois que quelqu'un en a plus besoin que toi. Oui, bravo, Buster. Jessie a vraiment besoin de nouveaux pneus. Ils sont très beaux, Jessie, et tu n'auras plus de problème pour tirer ta remorque désormais. Et conduire en côte sera facile. Au revoir, Buster. Au revoir, Jessie.
Regarde ces pinceaux. Buster et ses amis vont peindre les murs de la chambre de Buster aujourd'hui. Comme c'est excitant! Mamie Bus leur apporte beaucoup de peintures de différentes couleurs. Ils peuvent peindre le mur en dessous de la fenêtre. Quelle couleur Buster va-t-il choisir? Scout a choisi violet. Et Ash a choisi le rouge. Et Buster, le jaune, bien sûr. Allons peindre. Oups! Ash ajoute une tache de rouge pour aller avec celle de Scout. Et Buster en ajoute une jaune. Génial! Je me demande ce que Scout peint en premier. C'est une fusée! Génial! C'est au tour de Buster. Qu'est-ce qu'il va peindre? Ouh, un bourdon! Bien joué, Buster! Oh, pas sur l'armoire, Ash! Maintenant, ils font un combat de peinture! Attention, cette peinture est très salissante! Oh là là, ils en mettent partout! Quel désordre! Oh oh! La peinture jaune est partout sur le sol! Et maintenant, le violet! Beurre! Mamie Bus se demande ce que c'est que tout ce bruit. C'était tellement amusant. Oh oh, ils n'ont pas réalisé qu'ils faisaient un tel bazar. Mais Buster a un plan. Ils peuvent utiliser le tuyau de Ash pour nettoyer. L'eau nettoie la peinture. Beau travail, Ash! Oh non! Mamie Bus arrive et ils n'ont pas encore fini de nettoyer le désordre. Il est temps de se laver. Ash nettoie Buster au jet d'eau. Splash! Maintenant, c'est au tour de Scout. Ça a l'air tellement amusant. Et enfin, Ash! Bien joué tout le monde! Waouh! La pièce a l'air complètement propre. Il est temps pour Ash et Scout de rentrer chez eux. Oups! Enfin, pas complètement propre. Regardez, c'est Buster le bus par un beau matin. Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Des graines? Waouh! Buster va faire pousser des fruits et des légumes. Buster se dirige vers son potager et regarde les instructions. Il doit d'abord creuser un trou pour y planter les graines. Buster commence à creuser. Oh mon pauvre, ça pourrait prendre beaucoup de temps. Mais regarde, voilà Diggly, il va pouvoir aider. Diggly est le meilleur pour creuser. Et il est toujours heureux d'aider ses amis. Diggly saura creuser des trous pour les graines en un rien de temps. Là, pas de problème. Maintenant, Buster plante toutes les graines dans les trous. Et il regarde l'étape 2. Le soleil! Les graines ont besoin de soleil pour pousser. Mais c'est un jour nuageux. Mais regarde, voilà Monty la montgolfière. Peut-être qu'il peut aider. Voilà, Monty a repoussé le nuage. Maintenant, les graines poussent. Maintenant, troisième étape, la pluie! On dirait un autre travail pour Monty. Il saute sur le nuage et c'est parfait! Maintenant, ils n'ont plus qu'à attendre que les graines poussent. De nombreux jours passent. Les plantes grossissent. Puis un beau matin, Buster consulte son calendrier. C'est aujourd'hui! Regardez! Des tomates rouges, des citrouilles oranges, du maïs jaune, des haricots verts et des aubergines violettes. Bien joué, Buster! Regarde tous les fruits et légumes colorés qu'il avait poussés. Il peut maintenant les partager avec ses amis.
Buster et ses amis sont à l'école. Et aujourd'hui, ils ont une visiteuse très spéciale. C'est Mummy Fire Truck. Hurrah ! Elle est là pour leur montrer ce que fait un camion de pompiers. Quand un bâtiment est en feu, il faut appeler un pompier le plus vite possible. Que se passe-t-il ensuite ? Un tuyau est attaché à la borne d'incendie et... l'eau atteint le feu. Youpi ! C'est le moment de s'entraîner. Ils doivent renverser les cônes avec un jet d'eau. H est le premier. Yeah ! Bien joué, H ! Et Scout ? Oups ! C'est mieux ! Bien joué ! Maintenant, c'est au tour de Buster. Waouh ! Attention, Buster ! C'était une belle journée, mais maintenant, Mummy Fire Truck doit aller au travail. Au revoir, Mummy Fire Truck ! Merci ! C'est maintenant la fin de la journée et Buster rentre à la maison. Au revoir, Scout ! Au revoir, Ash ! Qu'est-ce que c'est ? C'est de la fumée ? D'où peut-elle venir ? Oh non ! C'est un incendie ! Que doit faire Buster ? Il a besoin d'un pompier. Buster va chercher Mummy Fire Truck pour l'aider. Teacher s'occupera de Ash. Allez, Mummy, allez ! Voilà le feu. Ah ah ! Et il y a une bouche à incendie. Prochaine étape, attacher le tuyau. Oh non ! Vite ! Ouf ! Le feu est éteint. Youpi ! Quel beau travail d'équipe ! C'est le lendemain à l'école. Teacher appelle Buster devant la classe. Mais pourquoi ? Regarde, Mummy Fire Truck. Elle est là pour remercier Buster de son aide et lui remettre un chapeau spécial de pompier. Allez, Buster ! Buster et Mummy Bus visitent la ferme de Terry aujourd'hui. Waouh ! La ferme est trop cool ! Buster est si excité. Oh, regarde ! Une adorable portée de chiots. Comme ils sont mignons. Buster a repéré un ballon de football. Il adore le foot. Mummy Bus est là pour vérifier que les chiots sont tous en bonne santé. Mais Buster a d'autres idées. Il veut aller jouer au foot à la ferme. Qu'est-ce que c'était ? Oh, un des chiots a suivi Buster dehors. On dirait qu'elle veut jouer. Mais Buster veut jouer tout seul. La revoilà. La petite chienne n'arrête pas de le suivre. Buster lance un bâton à la petite chienne pour la distraire. Cela va la faire partir. Non, ça n'a pas marché. Et maintenant, la chienne a pris le ballon de foot. Quelle coquine, cette petite chienne! Ah ah! Finalement, Buster a récupéré son ballon. Mais la chienne veut toujours jouer. Reste là.
Buster se cache derrière une pile de bottes de foin. Pas encore. Peut-être que Buster peut perdre la chienne dans le champ de maïs. La chienne est triste de ne pas le trouver. Mais le plan de Buster a fonctionné. Oh non! Comment cette petite chienne est-elle montée là-haut? Elle va tomber! Et Mummy Bus et Terry n'ont pas remarqué. Vite, Buster, vite! Allez, Buster! Ouf! Il a sauvé la petite chienne. Il s'en est fallu de peu. Mummy a remarqué qu'il manque un chiot. Mais ne vous inquiétez pas, Buster l'a ramené à la maison. Quelle journée amusante à la ferme! Oh oh! Pas encore! Buster s'amuse comme un fou à jouer sur sa batterie. Oups! Une baguette de tambour lui échappe. Elle roule vers maman. Qu'est-ce que fait maman? Oh, elle range tous les vieux jouets de Buster, ceux qu'il n'utilise plus. Je me demande ce qu'il y a dedans. Regarde, le tambour de bébé de Buster, il s'en souvient. Maintenant, maman va le donner. Mais Buster ne veut pas. Maman ne comprend pas. Buster a une plus grosse batterie maintenant. Mais Buster veut garder son petit tambour. C'est difficile de s'en séparer. Voici Scout avec son tambourin. Elle est venue jouer. Hourra, il est l'heure de faire de la musique. Buster et Scout sont prêts à jouer et voici Ash aussi, il est venu pour écouter. Maintenant que Buster et Scout ont un public, ils sont prêts à jouer. 1, 2, 3, 4. Super, Buster et Scout sont vraiment en train de mettre l'ambiance. Beau travail les amis. Scout secoue le tambourin, Buster tape sur sa batterie. Oh, il essaie de jouer de son petit tambour en même temps. Ça ne marche pas très bien. Il essaie de faire trop de choses à la fois. Oups! Oh, Ash veut participer, mais il n'a pas d'instrument. Et Buster en a un de trop. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, Buster donne son petit tambour à Ash pour qu'il en joue. Maintenant, Ash peut jouer aussi et tous les trois peuvent s'amuser. Prêt? 1, 2, 3, 4! Voilà! Ça sonne encore mieux qu'avant! À la fin de la journée, Ash va rendre le tambour à Buster. Mais Buster sait qu'il n'a pas besoin de deux instruments. Il veut que Ash le garde. Ash est si heureux! Quelle gentille attention de la part de Buster! C'est un beau matin ensoleillé et Buster a l'air si excité! C'est l'anniversaire de Diglé aujourd'hui. Buster est impatient d'aller à la fête. Buster prend son petit déjeuner aussi vite que possible. Regarde, c'est Scout. Elle a préparé et emballé le cadeau de Diglé. Comme c'est excitant. Oh non! Buster a accidentellement écrasé le cadeau. Il est plat comme une crêpe. Pauvre Buster, c'était juste un accident. Mais attendez, je crois que Buster a une idée. Regarde, Scout prend cette vieille boîte en carton. Et Buster prend ce bol de bonbons. Il y a aussi le bâton en bois. Et la boîte de bricolage. Je me demande ce qu'ils font. C'est un autre cadeau. Mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur? Maintenant, Buster et Scout s'empressent d'aller à la fête de Diglé. Ils ne doivent pas être en retard. Diglé attend. Sa fête a déjà commencé. Mais ouf! Voilà Scout et Buster. Ils ont réussi. Diglé ouvre son cadeau et... waouh! C'est une piñata! C'est l'anniversaire de Diglé, alors il doit le frapper avec le bâton. Il y va!
encore une. Flap! Regarde tous ces bonbons! Quel cadeau d'anniversaire incroyable!